L'histoire vécue du Titanic. Le Titanic. L'eau froide de l'Atlantique tape sur l'atoll. Les vagues se jettent sur sa coque. Mais tu continues à avancer. Rien ne s'arrête. Tu avances. Le ciel s'éclaircit. Si. De 1000 étoiles. Les passagers regardent l'océan, le reflet du bateau dans l'eau est aussi beau que les étoiles qui l'éclairent. Gros beau bateau aux chevaux rouges, aux cheminées rouges. L'océan l'accompagne, tout est gai. Tu arrives vers les Zemberg. Tu es à l'Atlantique. Tu te crois un gros bateau qui pourrait résister à n'importe quelle étaille. Mais tu t'es trompé et tu as rencontré un iceberg, l'eau a commencé à monter dans les couloirs et le bateau a commencé à couler sans le désespoir. Le paradis se transforma vite en cauchemar. Les lumières sont devenues poussière et le vent s'est éloigné et tu as écoulé. Tu as sombré au fond des eaux froides de l'Atlantique. Tu as laissé des traces dans l'océan, mais aussi dans nos corps, dans nos cœurs. On brûle dans nos corps, nos cœurs. Le bateau est paralysé. Est devenue une épave qui plus jamais ne naviguera sur l'océan. On ne se reverra plus jamais les vagues taper sur cette tôle de fer qui appartenait, mais qui se repose maintenant au fond de l'océan. Et plein de gens sont partis avec toi. Pour rejoindre au fond du monde, le fond des mers, la nuit du 14 et 15 avril 1912. Adieu, Titanic. Il y avait un passage que j'ai beaucoup aimé sur le film du Titanic. Rose dit à Jacques, je t'aime, Jacques. Jacques dit à Rose, ne fais pas ça, ne fais pas cela, qui me dit adieu, pas encore. Est-ce que tu m'as compris? Rose, j'ai froid, dit. Jacques dit, écoute, Rose, tu vas te sortir de là, tu vivras longtemps et tu vas faire plein de bébés et tu vas les voir grandir. Et tu mourras très vieille, une vieille dame bien au chaud dans ton lit. Pas ici, pas cette nuit, pas comme ça. Est-ce que tu m'as compris? Rose dit, je sens plus mon corps. Jacques dit, gagne le voyage. Rose a été la meilleure chose qui ne soit jamais arrivée. Il me l'est à toi et lui suis reconnaissant pour sa rose. Je lui suis reconnaissant. Et tu dois le faire, cet honneur.
À présent, promets-moi que tu vas survivre et que tu m'abandonneras jamais, jamais, que ça fasse, même si ça a l'air sans espoir. Promets-moi maintenant, Rose, et ne rompre jamais cette promesse. Rose dit, Jette, je te promets. Jacques dit, N'abandonne jamais. Rose dit, J'abandonnerai jamais Jacques. J'abandonnerai jamais Jacques. Tous ces visages souriants sur ces photos en noir et blanc. Les familles, les enfants, les officiers, les jeunes couples, les parents, tous les voyages vers autre monde. On appelait l'Amérique, mais un dimanche soir, un magnifique fit naufrage au nord de l'Atlantique, emportant avec lui les 1 500 âmes en une nuit et tous ces visages souriants sur ces photos en noir et blanc qui défilent devant nous pour ne plus oublier, douter de ces étoiles ne font flamme, douter le ciel, soleil n'accomplit son tour. Douter de la vérité, soit menteuse, inflamme, mais ne doutez jamais de notre amour. Pour toujours, je répète, le Titanic jamais ne s'arrêtera. À jamais, partout et malgré tout. Voici l'histoire du Titanic et sa vraie histoire. Belle de toi, ne souviendra-je encore longtemps. Voici le poème que j'ai écrit en honneur le Titanic et son histoire. Que tous on a regardé le film. C'est une belle histoire. Avec tous ces gens innocents mourant alors je dis à tous c'est une belle histoire à faire pleurer ce film je le regarde tout le temps. Et aussi, j'ai voulu faire cette vidéo en honneur du Titanic et de tous ces gens qui sont morts en une seule fois. Je souhaite une bonne journée, une bonne soirée à tous sur YouTube. À très bientôt.